وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ عَرَضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنِّ Celui qui expose sa personne aux critiques, qu'il ne vienne pas blâmer celui qui le montre du doigt ou qui a une mauvaise opinion de lui. Donc si tu fréquentes des gens pervers, barakallahu fikoum, ne sois pas étonné que les gens te taxent de pervers. Non. Quand je dis fréquenter, c'est-à-dire avoir les mêmes centres d'intérêt. Tu manges avec lui, tu dors avec lui, tu sors avec lui, tu fais les mêmes choses avec lui. Non. Alors que si on est dans un objectif de dawa, alors là c'est permis. Non, quelqu'un par exemple qui fréquente un musulman qui est loin, qui fait des désobéissances, mais il le prend sous son aile. Non, afin de, inchallah, d'essayer de le tirer vers le haut. Ça c'est louable, alhamdoulilah. On ne va pas dire qu'il le fréquente, on va dire qu'il le prend sous son giron. Mais quand je dis fréquenter, c'est-à-dire qu'il a les mêmes centres d'intérêt, les mêmes occupations. C'est dans ce sens-là que je parle. Non.